Il était une fois Madame Lee, ménagère coréenne. Comme chaque matin, elle posait cette question « Miroir, mon beau miroir, suis-je toujours aussi belle ?» Et grâce au capteur laser installé au plafond, son miroir lui répondait. « Je recherche vos paramètres santé. » Masse graisseuse, 11,5%. Pulsation cardiaque, 90. Température, 36,9. Mon miroir dit que j'ai une excellente condition physique. Madame Lee doit ensuite préparer le déjeuner et se heurte à une autre interrogation. Que manger aujourd'hui? Je présente cette assiette. Et l'ordinateur reconnaît quel type de viande c'est. Et me propose une recette. Ce midi, Madame Lee mangera donc du barbecue de porc avec des patates. Problème, l'ordinateur du réfrigérateur indique qu'il ne reste plus assez de pommes de terre dans le bac à légumes. La mère de famille commande immédiatement un nouveau paquet qui lui sera livré. Elle paie en ligne grâce à un système de reconnaissance faciale. En Corée, le miroir de Blanche-Neige a pris un sacré coup de vieux. Et le futur imaginé par Samsung va encore plus loin que le conte de fées. Le monde de Madame Lee sera peuplé de stylets traducteurs pour décrypter un menu au restaurant à l'étranger. De cartes de crédit intelligentes qui regroupent toutes les cartes de paiement. De pare-brise tactile qui équipe les voitures. Hi. Hi. D'écran souple, facile à dérouler et incassable. Good job. Ou encore de cet incroyable appareil qui imprime des vidéos sur papier, le Polaroid de demain. Science-fiction? Samsung assure que ces innovations arriveront sur le marché dans 5 ans. Et elle les présente au public dans des maisons du futur étincelantes en plein cœur de Séoul. Ces murs cascades d'eau qui sont en réalité de la vidéo et où s'incruste votre télévision existent déjà. La marque a les moyens de ses ambitions et fait la fierté de toute une nation. Avec Samsung, demain sera coréen. C'est depuis l'enfance que tous les Coréens, mais absolument tous, savent que Samsung est la meilleure entreprise du pays. Pourquoi est-ce que tout le monde rêve d'y entrer? Parce que Samsung est parti de rien, dans un tout petit pays qui est la Corée. Et c'est devenu depuis la première entreprise high-tech du monde. Tous les gens voient dans Samsung le miracle économique coréen. Il a fallu presque 6 mois de négociations pour prendre la direction de Suwon, à 1 heure de route de la capitale. Soudain, surgit un long mur, une enceinte qui court sur des kilomètres et protège une ville dans la ville. Bienvenue à Digital City. C'est la première fois qu'une caméra occidentale pénètre dans ce sanctuaire. Voici l'une des 8 villes Samsung du pays. Celle-ci est consacrée à l'électronique. Avec ses 30 000 employés, elle a la taille et la population d'une ville française de province comme Auxerre. Avec ses banques, son hôpital et sa clinique dentaire. Avec ses stades, ses bars et ses restaurants. Pour fouler ces trottoirs, il faut être un membre de la famille Samsung. Et cette famille a beau compter 250 000 employés dans le monde, elle n'a qu'un seul esprit de corps. C'est ce qu'a découvert un jeune franco-belge tout juste recruté qui s'est fondu dans le moule coréen. Vous parlez coréen? Oh oui, bien sûr. Ah oui? Depuis quand? Je suis en Corée depuis 2 ans. On entre dans l'entreprise comme on entre en religion. Le jeune novice a expérimenté la méthode Samsung juste après l'embauche.
Pendant 3 semaines, en fait, on va dans un centre d'entraînement fermé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir, en fait. Donc week-end, jours fériés compris, on reste là. Bon, c'est assez chargé, les cours commencent 7h30 du matin jusqu'à 9h du soir, plus des travaux de groupe le soir, la nuit, ce qui fait que sur 3 semaines, on dort en moyenne 3-4 heures par nuit. Mais après ces efforts, voici la récompense suprême. Les 5000 jeunes embauchés chaque année se retrouvent pour une gigantesque cérémonie d'intronisation. C'est l'exaltation du collectif et l'adoubement final de l'entreprise sous le slogan géant « Fier d'être des Samsung ». Cette fierté est racontée au cœur de Digital City qui a son propre musée. Les Digitaliens, comme ils s'appellent, vouent un véritable culte au fondateur de Samsung, Byung-Chul Lee. Il a créé en 1938 une petite épicerie de riz et sucre qu'il appelle Samsung, qui signifie 3 étoiles en coréen. 3 étoiles pour 3 valeurs fondatrices. Devenir grand, devenir fort, durer éternellement. Et les efforts paient. Samsung fait entrer les Coréens dans l'ère de la consommation. Ses publicités sont des promesses de foi. Samsung va conquérir le monde avec ses produits bon marché. Mais ce n'était pas encore assez pour satisfaire l'ambition de ses dirigeants à la poigne de fer. En 1995, notre président offrit des téléphones portables à ses amis et à sa famille. Mais certains d'entre eux avaient des petits défauts. Le président décida alors de brûler toute la production de 150 000 téléphones devant les employés. Toutes leurs heures de travail sont parties en fumée, les ouvriers pleuraient. Mais le président voulait nous donner un électrochoc. Et depuis, nous faisons de la qualité. Sa force de frappe, Samsung la doit à son armée de 40 000 chercheurs maison. C'est 3 fois plus de scientifiques que tout le CNRS français. Derrière ses façades se cachent des centres de recherche parmi les plus secrets du monde. Inimaginable que notre caméra y pénètre, les enjeux industriels se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Pas question que nous filmions un schéma qui pourrait être décortiqué par un concurrent. Nous n'aurons d'autre aperçu que ces quelques images fournies au compte-goutte par l'entreprise. C'est la raison pour laquelle, s'il est difficile d'entrer à Digital City, il est encore plus dur d'en sortir. Le soir, chaque voiture est minutieusement fouillée. Et en quittant les bureaux, tous les employés passent une véritable douane. La peur des espions industriels, une vraie paranoïa. Aucun salarié ne peut sortir avec son ordinateur ou tout autre appareil électronique. Tout doit être laissé au bureau. De toute façon, il n'est pas facile de quitter la famille Samsung. Après le travail, beaucoup d'employés rempilent et restent à Digital City dans l'une des nombreuses associations de l'entreprise, comme ce cours de cuisine chinoise. C'est vrai que je pourrais rentrer à la maison et voir un peu plus ma famille. Mais là, ça me permet de rester un peu plus longtemps avec mes collègues. Du matin jusqu'au soir, ces salariés motivés ne se voient pas vivre loin de la sphère de l'entreprise. Je travaille de 9h à 18h. Après, je fais des activités comme ce cours de cuisine. Puis je retourne travailler un peu à mon bureau jusqu'à 21h environ. Après, je rentre chez moi, je retrouve ma femme et mes enfants. Et une fois qu'ils sont couchés, je retravaille pour mon autre association Samsung, un club de construction de robots, jusqu'à 2h du matin. Est-il concevable d'échapper à l'emprise de l'entreprise ? Car quand on travaille et se divertit chez Samsung, il est tout naturel qu'on habite chez Samsung. Voici un complexe
Raimyan. Un acronyme qui signifie futur, beauté, confort. Ces luxueux lotissements Samsung sont disséminés partout dans le pays. Ils sont ouverts aux salariés du groupe et à tous ceux qui ont les moyens. Les résidents sont choyés. Déplacements en véhicule électrique, services à profusion, les enfants ont même leurs propres écoles, construites par Samsung bien sûr. Seul entorse au contrôle de la marque, les professeurs dépendent tout de même de l'éducation nationale. Nous avons rendez-vous chez la famille Nam. Ce couple de cadres avec deux enfants a acheté ce 120 mètres carrés 700 000 euros. Tout l'appartement est équipé en domotique et la technologie est telle que parfois les parents doivent appeler leur fils à la rescousse. Vas-y, Juni, toi qui connais bien l'écran du frigo. J'ai 47 ans, petit, j'habitais dans le coin et c'était complètement sous-développé. J'aurais jamais imaginé que ça se développerait comme ça. Par rapport à d'autres pays, il y a une croissance extraordinaire. Moi, je me rappelle qu'enfant, la seule chose qui comptait, c'était l'éducation. C'est grâce à ça que Samsung s'est doté de cerveau et a réussi. Dans ce monde, la seule chance de survie, c'est le savoir. Études, travail, réussite. On dort peu en Corée. Et le pays du matin calme n'a jamais aussi mal porté son nom. Une nouvelle journée reprend. Séoul s'éveille, vrombissante. Les Coréens travaillent 40% de plus que les Français. Et dans ce Manhattan asiatique, d'autres membres de la famille Samsung sont déjà au travail, autour d'un emploi du temps en quatre lettres, SADI, l'université de design de Samsung. Le groupe a créé cette école pour trouver de nouveaux talents et doper sa créativité. Les nuits blanches passées sur les projets sont nombreuses, la sélection est rude, seule la moitié des étudiants décrocheront le diplôme. Les profs sont souvent occidentaux. Est-ce que vous voyez du volume dans cet objet? Oui. Tous les étudiants ne feront pas forcément carrière chez Samsung. Mais cette école a fait des émules dans tout le pays qui forme à présent près de 30 000 jeunes designers par an. De plus en plus, les étudiants coréens sont récompensés dans les grands prix internationaux de design. On a en Corée des géants comme Samsung pour l'électronique ou LG pour l'électroménager qui créent tellement de produits que c'est pour nous un terrain de jeu extraordinaire. Et je suis fier de participer à cette nouvelle vague de designers coréens. L'université ouvre ses portes, mais les laboratoires nichés au sommet du quartier général de Samsung, beaucoup moins. Voici les tâches des designers. Là encore, interdiction de les filmer et panique de nos accompagnateurs, même si les vitres sont opaques. Car le design est devenu un enjeu stratégique majeur. Et tous les cadres dirigeants se rappellent ce jour de la fin des années 90 où le redoutable président, toujours lui, leur a asséné un second choc de culture. Le président nous a dit... Changez tout, sauf votre femme et vos enfants. Il fallait se débarrasser de tout ce qui avait été acquis auparavant. C'est là qu'il a lancé la révolution du design dans l'entreprise. Le vice-président est fier de présenter son dernier bijou. On voulait quelque chose de chic, de brillant, de classe. Pas un mot sur la ressemblance frappante entre le dernier né de la gamme Samsung et la tablette d'un célèbre concurrent. Prononcer le mot « Apple » n'est pas politiquement correct chez Samsung. Mais pour Philippe Lee, président de la Chambre de commerce franco-coréenne, l'important n'est pas que le Coréen ait plus ou moins copié l'Américain. Samsung avait complètement mésestimé l'importance des smartphones. Il y a quelques mois,
panique à bord. Donc il a fallu mettre en place un plan de réaction par rapport à ça, mais le plan il est sorti au bout de quelques mois. C'est-à-dire que le groupe a été capable, en quelques mois, de concevoir un produit qui n'est pas un produit révolutionnaire, puisqu'il est très similaire à celui de l'iPhone, mais à développer ce produit et à le commercialiser avec succès et dans le monde entier. Et c'est là l'autre prouesse du groupe. Avoir changé son image, notamment dans les pays occidentaux, grâce à son marketing. Partenariats sportifs dans les plus grands événements ou encore publicité ciblée avec des stars nationales comme dans ce spot pour l'Australie où Samsung s'est offert l'icône du pays, Simon Baker, l'acteur de la série du moment, le mentaliste. Celle qui remplit vos écrans publicitaires et joue avec vos désirs de consommation, c'est elle, la vice-présidente Jung-hee, grande prêtresse du marketing. Passée par New York, Londres et Paris, ancienne de L'Oréal, elle vient de lancer la dernière étape de son plan. Jusqu'ici, on adaptait notre stratégie publicitaire en fonction des pays, un acteur australien pour l'Australie, etc. Mais c'est fini, désormais on va unifier la communication. Tous nos produits auront le même style, les mêmes noms, les mêmes visages, car ce sont des produits universels. Samsung est devenue une marque monde. Une marque monde qui attire désormais les talents étrangers. Mathieu Apotheker est né en France, il est belge. Il a fait ses études à Cambridge et est diplômé du prestigieux MIT de Boston. Le monde s'offrait à lui, il a choisi la Corée, au grand étonnement de ses amis. Au début, il s'interroge un peu sur pourquoi est-ce que je voudrais partir en Corée alors que je pourrais trouver un emploi à New York ou un emploi à Paris ou à Los Angeles. Et après environ deux minutes et demie de discussion, ils se rendent compte très vite que c'est une opportunité énorme. Samsung prise ses profils occidentaux. Mathieu Apotheker fait partie d'un service spécial, les consultants internes. Sa mission est d'aller régler les problèmes dans toutes les branches du groupe avec son regard neuf d'Européen. Ce qui ne l'empêche pas d'être bluffé par son pays d'accueil. Mon professeur de macroéconomie disait toujours que pour devenir un pays développé, il fallait exactement 100 ans. Il y a deux exceptions à la règle, au XXe siècle, la Corée et Israël. Samsung est le reflet de cette croissance exceptionnelle. C'est même son moteur. Car tout ce qu'il vous a été donné à voir n'est qu'une partie de l'iceberg. Et à côté de la tour de Samsung Electronics se dresse celle de Samsung Assurance et celle de Samsung Construction. On appelle cela un chaebol, un conglomérat en coréen. Et en la matière, le pays a construit les empires industriels les plus puissants du monde. Samsung représente 1/5 de l'économie de la Corée. Car sur les mers du globe, on bat aussi pavillon Samsung. Ces chantiers ont œuvré pour hisser la Corée au deuxième rang mondial dans la construction navale. Le groupe est aussi un géant du BTP, tant en Corée qu'à l'étranger. La plus haute tour du monde, à Dubaï, est une tour Samsung. Elle affiche, sur 800 mètres de haut, la suprématie du groupe. Scientifique de pointe et BTP, il n'en fallait pas plus pour que Samsung s'intéresse à l'atome. Associé à l'EDF sud-coréen, le groupe construit ses propres centrales nucléaires et l'an dernier, ses ingénieurs ont fêté un joyeux événement aux dépens de la France. Ils ont soufflé à Areva la construction de 4 réacteurs aux Émirats Arabes Unis. Je pense qu'en France, on ne se rend pas compte de la vitesse d'évolution, du fait qu'effectivement, la Corée s'est devenue un pays concurrent de la France, ou en tout cas au même niveau, ou quasiment au même niveau que la France dans beaucoup de domaines. Gare de Séoul. Ce train vous semble familier. Normal, c'est le TGV que les Coréens ont acheté à la France en 1994. Il ne leur a pas fallu 15 ans pour construire le leur. Voici le KTX. Il a été conçu par un autre géant coréen, le groupe Hyundai.
et il affronte désormais son grand frère sur les appels d'offres internationaux au Brésil ou en Californie. Direction le sud du pays. Le voyage de 300 km explique presque tout. Devant ces plaines mornes et sans aucune ressource naturelle, la Corée n'avait pas d'autre choix que de se surpasser en misant tout sur l'exportation. Voici Busan, deuxième ville du pays. Son port et ses dizaines de milliers de voitures Samsung Motors prêtes à l'embarquement. Mais ici, plutôt que combattre le rouleau compresseur coréen, la France a choisi de s'allier avec lui. Samsung Motors a été racheté en grande partie par Renault. Le français construit ici des voitures pour les trois marques du groupe. Renault, Samsung Motors et Nissan. Le constructeur dispose même d'un technocentre en Corée, où les prototypes sont conçus et les voitures testées. Après la France et l'Allemagne, la Corée est le troisième marché de Renault. Et désormais, quand la marque aux losanges lance une nouvelle berline, elle ne l'inaugure plus dans son pays natal, mais ici, en Corée. Notre voiture la plus vendue, c'est ce qu'on appelle la SM5, qui sera commercialisée prochainement sous le nom de Latitude en Europe. Autrefois, on aurait pu dire « je conçois la voiture pour les marchés européens, puis après je vois si je peux la vendre dans les autres marchés ». Maintenant, on est dans une autre démarche. Quand les volumes sont presque plus importants hors d'Europe qu'en Europe, il faut concevoir la voiture d'abord pour ces marchés-là. Toute la Corée est donc occupée par Samsung. Toute ? Non. Une petite marque résiste encore et toujours à l'Empire. Et à Séoul, Astérix s'appelle Apple. Plus exactement Frisbee, car la marque à la pomme n'a pas encore suffisamment de poids pour ouvrir ses fameux magasins Apple Store. Ce n'est pas évident pour nous. Les gens ne connaissent pas encore bien la marque. C'est difficile de s'attaquer au marché coréen, mais la curiosité commence à payer. L'État coréen ne fait pas de cadeaux à l'Américain. Pour des problèmes de service après-vente, l'un des hauts dirigeants d'Apple a été convoqué pour s'expliquer devant l'Assemblée nationale. Et même si Apple remporte un succès, ce sera quand même une victoire Samsung. Le Coréen est le numéro un mondial des semi-conducteurs et sous la coque des iPhones, les composants, eh oui, sont des puces Samsung. C'est David contre Goliath. En face, Samsung étale ses Delight Center et autres showrooms ultra-modernes. Sur les écrans des ordinateurs peu de Google, le célèbre moteur de recherche n'occupe que 5% du marché coréen. Ici, on navigue sur Naver ou Dome, considéré comme plus performant. Et avant la création de Facebook, les Coréens avaient déjà leur réseau social, Cyworld. Comme pour avertir l'Occident, qu'il ne s'endorme surtout pas sur ses certitudes, car demain, votre cyberespace pourrait bien être coréen.